Tidiane fait partie des citoyens qui n'ont pas pour habitude d'utiliser les numéros verts. Il m'arrive par urgence que je sois obligé d'aller à l'hôpital. Je n'appelle pas, je prends ma voiture et j'y vais automatiquement. C'est comme ça que je fais tout le temps. Et je sais que j'en ai eu des moments comme ça. Même pendant le couvre-feu qu'on vit, une fois j'ai eu des réactions allergiques la nuit. J'ai bravé le couvre-feu pour aller à l'hôpital comme ça. Voilà. Donc, je n'ai jamais eu le réflexe, franchement, de faire un appel sur le service d'urgence. Comme lui, bien d'autres citoyens n'ont pas toujours le réflexe de faire recours au service d'urgence en cas d'urgence. Pourtant, derrière cette méconnaissance, un travail remarquable se fait H24 ici, où plus d'une centaine d'appels d'urgence sont reçus. Nous sommes dans l'enceinte du centre de réception et de régulation des appels du SAMU national. Et ce centre de réception et de régulation des appels donc, va recevoir l'appel des personnes donc, qui ont une demande de soins d'urgence. Et cet appel est pris en charge donc, par ce qu'on appelle l'assistant de régulation médicale qui est là. Et l'assistant de régulation médicale va prendre donc, cet appel, faire le traitement administratif et apprécier la demande du besoin et ensuite passer l'appel au niveau du médecin régulateur. Constitué en équipe, chacun face à son dispositif de travail, le personnel a une mission déterminée. Offrir une réponse adaptée et dans les meilleurs délais aux appelants. Pour le moment, ce n'est pas disponible. On prend les informations nécessaires, le motif de l'appel, l'identité de l'appelant, son adresse et tout. Hein? Et on prend aussi l'identité du patient hein, pour le localiser. D'accord? Et après tout ça, on fait un résumé au médecin régulateur et on transfère l'appel. Sur place, un interlocuteur au bout du fil. Il s'agit d'une patiente en détresse respiratoire. Ouvre le dossier. Urgent, son dossier sera traité par le médecin régulateur du jour. Mm-hmm. Aujourd'hui, je suis médecin régulateur, c'est-à-dire que tous les appels que les assistants à la régulation médicale vont recevoir vont passer par moi pour décision. Pour hospitalisation, appel pour un transport, pour bilan, pour faire un scan, pour faire une séance de dialyse. Donc ça revient vers moi, il le balance vers moi pour que je prenne la décision. Au quotidien, les agents du centre de réception et de régulation des appels du SAMU national reçoivent entre 100 et 150 appels par jour, voire plus. Avec le contexte de pandémie actuel, ce chiffre est multiplié par 3. Avec une organisation et même des algorithmes, donc ça permet, il y a des mots-clés même, je parlais tout à l'heure de priorisation qui permettent donc de prendre donc les bons cas et aller directement sur l'intervention vitale. Ce concept de régulation médicale a pour but de réglementer la pratique de la médecine d'urgence préhospitalière. En cas de détresse vitale, une ambulance de réanimation intervient avec à son bord un médecin anesthésiste réanimateur.